Vous êtes un membre du peuple Pandaren, né et élevé sur la mystérieuse île Vagabonde. La plupart de vos proches préfèrent une vie tranquille, mais votre sang bout à l'appel de l'aventure. Hello les amis, c'est Super Rikeo. J'espère que vous allez bien. Nous sommes en direct de WoW dans ce nouvel épisode de Vie ma vie de panda, les amis. Nous sommes donc au rempart du néant, dans les terres foudroyées, et on est parti donc pour quêter. Mais juste avant de démarrer, j'ai certains d'entre vous dans les commentaires qui m'ont demandé s'ils pouvaient jouer avec moi. Eh bien oui, les amis, vous voyez le petit tabar que je tiens là en ce moment, c'est le tabar de la guilde. Donc si vous voulez jouer avec moi sur WoW, il faut que vous vous connectiez sur... WoW en compte officiel évidemment sur le serveur Archimonde côté Alliance. Je vous donnerai tout ce qu'il faut pour s'inscrire en description de la vidéo. Donc n'hésitez pas, vous aurez mon battle tag aussi si vous voulez me contacter directement dans le jeu. Donc voilà, vous savez tout pour ceux qui veulent rejoindre l'aventure WoW et jouer avec moi. Ça y est, vous savez ce qu'il faut faire. Alors c'est parti, on y va, on a quelques quêtes autour, dont une qui consiste à observer des navires sur le rivage ravagé. Donc c'est parti, on est parti, on se fait attaquer, mais on a peur de rien. Virer la map. Ah ouais, c'est tout pour le moment. Est-ce que je vais pouvoir ramasser ça? Eh non, j'ai pas le bon niveau, donc faudra farmer aussi un peu le truc. Donc ben voilà, première quête, je pense que c'est une formalité. Du coup, on va rechoper la route ici et on va repartir vers la deuxième quête. Voilà les amis. C'est boring. Donc les terres foudroyées, hein, c'est... portent bien leur nom, hein. Feuille rêve, petit filon de thorium. Ah, peut-être que sur le minage. Peut-être que sur le minage, on n'est pas... on n'est pas à la ramasse au niveau de la... Si j'arrive à monter, quoi. Laissez-moi. Alors, attends, on va faire le tour par là. C'est trop loin. Bon, c'est le truc inaccessible. Est-ce qu'on peut passer par là-haut? Ah, chier. En plus, je me fais cueillir par un vilain. Donc, on va le buter. Je suis hors de portée. Je ne peux pas entendre. Je n'ai pas prêt. Votre compétence n'est pas prête. Je ne peux pas entendre. Je n'ai pas prêt. Votre compétence n'est pas prête. Je n'ai pas prêt. Ah ouais, j'ai pas pu le tuer avec mon truc. Peut-être parce qu'il a un niveau trop élevé pour moi. Je n'ai pas prêt. Je ne peux pas entendre. Hop. Allez, on va faire gaffe quand même à son niveau de vie, parce que je vous rappelle qu'on n'a pas un équipement génial. On va se protéger un peu quand même. Ouais, je me suis réattribué la touche pour marcher, parce que...
me suis réattribué la touche pour marcher parce que c'était un peu le pin sinon. Ah, 57, ouais. J'ai pas pris le level le plus bas quand même. Je vous rappelle donc que je suis level 54. Donc deux mobs dont un plus 3. Ouais, bon, c'est pas mal, je m'en suis pas trop mal sorti je trouve. Du skill du skill sauf pour aller chercher ce petit filon de thorium, mais bon ça c'est pas grave. On va rester prudent les amis, hein. On va rester prudent. Il y a du gros level dans le secteur. Par rapport à nous, en même temps on va comme ça plus vite up, hein, les amis. Voilà, deuxième quête. Allez, en 5-6 minutes, c'est pas trop mal de quête. Plutôt rentable. Alors, qu'est-ce qu'il nous a donné? Des plaques, c'est pas pour moi, mais je le vendrai, tant pis. Hein. À propos de vendre, on va se débarrasser de tout ce qui nous embête. Voilà. Tac, tac, tac. Tout ça, c'est bon. On se fait de la place. Allez, là, ça va être bon, je pense. Je vais le mettre ici, celui-là. Et celui-là, là. Voilà. On a rangé nos petits sacs. Un petit coup d'œil sur la map. Et il nous reste donc... Voilà, donc ça c'est pour rendre les quêtes. Et nous on va aller ici, là. Gnomerie pétaradante. On va bien rester sur la route, hein. Manière de pas trop se faire agresser. C'est pour lui. Donc je pense que c'est à gauche. Alors, il faut balancer ça sur les caisses d'Orkril machin. Est-ce que c'est ça? Je sais pas. On va dire que oui. Yeah. Plutôt pas mal. Oula, par contre, ouais. Il faudrait pas que les mecs ils me tombent sur la gueule. Parce que 3 niveaux 55, je pense que je le sentirai passer. On va voir déjà celui-là. Si j'arrive à le gérer. 56. Ça me permet pas d'acquérir de la... Ouais, c'est quand même une 8, hein. Il va falloir que je m'équipe un peu, les amis.
Moi, je me suis toujours pas fait de la bouffe. Je me suis toujours pas fait de la bouffe. On va manger ça déjà. Voilà. Est-ce que ça en fait partie, ça, des caisses? Oui, j'ai l'impression. J'ai besoin d'une cible. Allez. Vaut mieux rester à bonne distance, paraît-il. 3 sur 8. Je sais pas si ça en est, on va voir tout de suite. Non, ça n'est pas. Est-ce que je peux agresser les mobs avec ou pas? Non, ça n'a pas fait grand-chose. De manière stratégique. Allez, on a fait la moitié, les amis. Il y en a une derrière lui là-bas. Bon, on va quand même fighter un peu. Ah mais donc si je le focus pas, ça va pas le faire. Oula putain, il a l'air bien. Merde. Ah, c'est un PV. Ouais, c'est un. Je pense que c'était un autre mob, mais c'est un joueur. Putain, chier. Désolé les amis. Je me suis fait exploser. Mais ça m'apprendra à jouer sur un serveur PVP en même temps. Alors. 54, je fais pas le poids, je suis pas équipé ni PVP ni PVE, donc je vais pas insister. Ce qu'on va faire, je vous propose, c'est de. C'était par là. Ce qu'on va faire, je vous propose, c'est de se casser tout simplement, rendre les quêtes. Et on reviendra un tout petit peu plus tard, juste de manière de pas se faire chain kill. Ah, on a un éventuel allié, mais. Courage Fillon, les amis. Ah putain! Ah, il a décidé de me chain kill. Hein. J'ai même pas pu lui filer un coup. Ouais. Bon, c'est les aléas du direct, hein, les amis. Vous savez ce que c'est, hein, serveur PVP. Quand t'as quelqu'un sur le dos. Allez, on va y arriver. En plus, ouais, on est quand même en termes de level. On est pas mal en dessous de. On est pas mal en dessous du level Rocky, je peux dire. Par rapport à la zone.
je me suis fait courser par je sais pas qui. Je vais je sais pas où. Est-ce qu'il m'a pris en chasse? Non, a priori non. Donc on va déjà rendre les quêtes qu'on a, hein. Je pense que quand il aura fini de... Je pense qu'il aura... Quand il aura fini de quêter dans la zone, ben... On pourra... Il va se casser, quoi, enfin, j'espère. Et nous, on pourra revenir tranquillou. Petit lag. Un petit peu de freeze. J'ai une connexion en carton ce matin. Je voulais faire un live, les amis. Mais ça n'a pas été possible. Au niveau technique, j'ai une petite connexion bien foireuse. Allez. Ouais, alors par où je vais rentrer là? Attends, en fait, j'ai fait le grand tour. Hein. J'ai pas fait semblant. Hein. Ok. Donc une première quête ici à rendre. Yes. Alors est-ce qu'on va up les amis? C'est pas mal ça. Parce que l'intelligence ça nous sert à rien. Par contre l'agilité ça va bien nous aider. Ah mais ça c'est une quête qui me donne. C'est une quête qui me donne. Alors j'avais pas fait deux quêtes pour le teint d'été. J'ai dû louper un truc quelque part. Attendez. De l'incense et vous le teint. Alors, qu'est-ce que c'est pénible ça, je l'ai viré. Abandon. Voilà. Donc là on est dans les terres foudroyées. Et oui, du coup, j'ai pas pu finir. Voilà pourquoi j'ai pas de quête, j'ai pas pu finir. Il m'a explosé la gueule. Nos défunts amis. Trouver 13 gilnéens sur le rivage ravagé. Bon, ben voilà, on va faire ça. On va faire ça, on va finir par ici. Voilà. Ben, on a deux quêtes là-bas. On a deux quêtes là-bas, ça va nous occuper. Par contre, les amis, je vais faire un épisode peut-être un peu plus court que d'habitude. Je vais vous dire à la pro, à la chaîne, les amis. À la prochaine. À ciao. Merci à vous.